Personne ne lui a demandé comment elle était habillée ce matin-là, mais elle a tenu à le préciser. Qu'elle n'avait pas autre chose à se mettre que des baskets blanches, mais savoir quelle robe ou jean siérait à l'occasion, idem du rouge brillant qui couvrirait ses lèvres, elle y pensait depuis l'aube. Elle, assise à la terrasse de l'univers, sur la grande place piétonne au cœur de la vieille ville, Derrière elle, on pouvait lire en très grosses lettres sur le haut mur de pierre les mots Hôtel de Ville. Plus haut encore, le drapeau tricolore, comme un garde endormi reposant dans l'air tiède. Bientôt, elle franchirait le grand porche et traverserait la cour pavée qui mène au château, anciennement le château donc, puisque depuis longtemps transformé en mairie, et quoique pour elle, dirait-elle, c'était la même chose qu'elle ait rendez-vous avec le maire de la ville ou le seigneur du village, dans sa tête, ça ne faisait pas de différence. Même fébrilité, même cœur un peu tendu d'entrer là, dans le grand hall où elle pénétrerait pour la première fois, presque surprise d'en voir s'ouvrir les portes électriques à son approche, comme si elle s'était attendue à voir un pont-levis s'abaisser au-dessus des douves et qu'à la place d'un vigile en vêtements noirs, elle avait eu affaire à un soldat en côte de maille. Dans cette ville, c'est comme ça, on dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres sans jamais les changer. Pas même la mer qui, deux fois par jour, les attaque et puis deux fois par jour aussi renonce et se retire, battue comme un chien, la queue basse. Elle, assise toujours à la terrasse de l'univers, bien sûr, elle était en avance. Le temps d'un café et puis de lire Ouest France, ou non pas lire vraiment, mais parcourir les titres et les photos couleurs. Et puis quand même s'attarder sur la page des sports, parce que cherchant s'il n'y avait pas un article sur son boxeur de père, lui qui du haut de ses 40 ans venait de remporter son 35e combat, et dont la presse locale ne cessait de célébrer la longévité, pour ne pas dire plus encore la renaissance. Renaissance, oui, c'est le mot qu'ils employaient à loisir depuis que Max Lecor était revenu en haut de l'affiche, tandis qu'un temps il en avait disparu. Alors elle aura souri sans doute, en regardant l'énième photo de lui les bras levés sur un ring le gros titre au-dessus qui se projetait vers l'avenir disant marchera t il encore sur l'eau puis regardant l'heure sur son téléphone elle a refermé le journal posé deux euros dans la coupelle devant elle et s'est levée dans la grande vitre du café elle s'est estimée une dernière fois Certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix, cette veste en cuir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. Oui, a-t-elle dit au policier. Ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans, de sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou. « Infirmière ou je ne sais pas, la fille qu'on appelle. »« La fille qu'on appelle ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est pas comme ça qu'on dit, call cool girl. » Et elle a ri nerveusement d'avoir dit ça, « call cool girl », sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des deux flics, les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle, mais l'un comme l'autre à l'affût de chaque mot qu'elle employait et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire. Et puis donc, elle a repris son récit. Qu'au vigile, à l'entrée de la mairie, elle avait demandé où se trouvait le cabinet du maire, sans savoir que lui, le vigile, en resterait de marbre, indiquant d'un simple mouvement de tête le grand comptoir au fond du hall, et s'entraîner presque machinalement ses yeux de haut en bas sur sa silhouette à elle. À cela, elle était habituée. Que le regard des hommes vint s'effranger sur elle, elle n'y faisait plus attention depuis longtemps pour cette bonne raison que par mille occurrences déjà, elle avait fait l'expérience de son attrait, à cause de sa grande taille peut-être, ou bien de sa peau métisse. En tout cas, depuis longtemps, elle le savait, indifférente au charme qu'elle exerçait, ce jour-là ni plus ni moins qu'un autre. Sa robe, sa robe ajustée, donc, qui ne couvrait pas ses genoux, aux pieds ses baskets blanches, qui ne l'étaient plus vraiment, à cause du cuir usé qui en couvrait la surface. Elle accueille aussi, elle a répété qu'elle avait rendez-vous avec le maire regrettant que personne ne lui demande le motif de sa visite, à quoi elle aurait répondu que c'était personnel. C'est vrai, dit-elle, j'aurais bien aimé qu'on me le demande juste pour répondre euh, c'est personnel. Mais pas même en haut du grand escalier de pierre qu'on lui a indiqué, pas même la chétive secrétaire postée à l'entrée du bureau comme un vieux garde-barrière, personne ne lui demanderait la raison de sa visite. Accusant quant à elle la secrétaire ce qu'il fallait de réprobation ou de jalousie en la dévisageant. Si on peut dire ce mot-là, dévisager, quand le regard, cette fois, tombe comme une guillotine de la tête jusqu'au pied. Elle a soupiré un peu, la dite secrétaire, comme une gouvernante dans une grande maison qui se serait réservé le droit de juger qui ses maîtres recevaient. Et puis, elle a daigné se lever. A entrouvert la lourde porte de bois dont elle semblait garder l'entrée, et passant la tête dans l'ouverture, elle a dit Votre rendez-vous est arrivé. Laura aussi l'a entendu la voix masculine qui répondait Ah oui, merci. En même temps que la vieille secrétaire invitait la jeune fille à se faufiler à son tour dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le passage volontairement étroit qu'elle avait laissé entre la porte et le mur, comme si elle, la plus jeune des deux, avait dû forcer le passage pour entrer. En tout cas, c'est cette impression qui devait rester gravée en elle pour longtemps. Oui, quelque chose comme ça, elle a dit, que c'est moi qui suis entré et non pas elle qui m'a ouvert. Mais je vous jure que s'il avait fallu la pousser, a-t-elle ajouté, je l'aurais fait. Et peut-être à cause du regard soudain sursilleux des policiers qui lui faisaient face, elle a cru bon d'ajouter Je vous rappelle que j'ai grandi près des rings. Et sûrement, ils eurent le sentiment que dans cette phrase se logeait une partie de son histoire. Avec elle, toute la rugosité de l'enfance, en même temps qu'elle laissait déjà entendre quelle faussait la séparait de l'autre, le type à l'immense bureau que rien. Ni l'accueil froid de la secrétaire, ni la taille démesurée de la pièce ne venait rapprocher de son monde à elle. Non, rien du tout, a-t-elle dit encore au policier. Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Un monde normal, mais euh, qu'est-ce que vous appelez un monde normal Ils ont demandé. Je ne sais pas, un monde où chacun reste à sa place Et comme elle essayait de se représenter ce monde-là, normal et fixe, où chacun, comme une figurine mécanique, aurait eu son air maximal de mouvement, ses yeux étaient venus se perdre dans le tissu bleu de la veste en face d'elle. Et laissant s'échapper par devers elle, cette pensée surgit des profondeurs. elle a dit «Mon père avait l'air d'y tenir tellement. Peut-être il aurait fallu commencer par lui, le boxeur. Quand je ne saurais pas dire lequel des deux, de Max ou de Laura justifie plus que l'autre ce récit. Mais je sais que sans lui, c'est sûr, elle n'aurait jamais franchi le seuil de l'hôtel de ville. Encore moins serait entré comme une fleur à peine ouverte dans le bureau du maire, pour la bonne raison que c'est lui, son père, qui avait sollicité ce rendez-vous. Insister d'abord auprès d'elle, insister ensuite auprès du maire lui-même, puisqu'il en était le chauffeur. Depuis trois ans maintenant qu'il le conduisait à travers la ville, il commençait à se connaître. Lui, le maire de dix ans, peut-être l'aîné de son chauffeur, celui-là dont le sourire quotidien lui parvenait à travers le rétroviseur pas vraiment le sourire, mais le plissement toujours inquiet de ses yeux qui cherchaient son attention à lui, l'homme à l'arrière toujours qui, si souvent, n'y prêtait pas attention, regardant seulement dehors le lent défilement des façades, ou bien des vitrines lumineuses, comme si, parce qu'il était maire de la ville, il se devait défleurer du regard tous les immeubles, toutes les silhouettes sur les trottoirs, comme si elles lui appartenaient et d'avoir été réélu quelques mois plus tôt, d'avoir, pour ainsi dire, écrasé ses adversaires à l'entame de son second mandat, sûrement, ça n'avait pas contribué au développement d'une humilité qu'il n'avait jamais eue à l'excès, à tout le moins n'en avait jamais fait une valeur cardinale, plus propre à voir dans sa réussite l'incarnation même de sa ténacité. Celle-là sous laquelle sourdaient des mots comme courage ou mérite ou travail, qu'il introduisait à l'envie dans mille discours prononcés partout ces six dernières années, sur les chantiers inaugurés ou les plateaux de télévision, sans qu'on puisse mesurer ce qui, dedans, relevait de la foi militante ou bien de l'autoportrait, mais à travers lesquels, en revanche, on le sentait lorgner depuis longtemps bien plus loin que ses seuls auditeurs, espérant que l'écho s'en fasse entendre jusqu'à Paris, où déjà les rumeurs bruissaient qu'il pourrait être ministre. Et pour qui en avait le visage chaque jour dans son rétroviseur, il n'était pas besoin d'un traité de physionomie pour que cette même ardeur ou détermination apparaisse là, sous les sourcils noirs, épais et pourtant presque doux, contrastant plus encore alors avec ce regard froid et ferme de tous les gens de pouvoir. En trois ans, Max avait appris à en traquer les nuances. Les failles, ou plutôt non pas les failles, mais les ouvertures sciemment laissées. S'il est vrai que le pouvoir, ce n'est pas dans la raideur qu'il se fonde, mais à l'endroit à calculer de ses inflexions, comme un syndrome de Stockholm appliqué heure par heure quand chaque entorse faite à l'austérité fait naître dans l'œil soumis de l'interlocuteur la brèche de fausse tendresse où s'engouffrer. Et de ce que je crois savoir, Maxime Lecor, à cette aune, était un bon client. Du genre de cheval reconnaissant dès qu'on relâche le mort. À quoi s'ajoutait la dette qu'il se sentait avoir, puisque c'était lui, le même maire qu'il avait recruté en ce temps où Max était, comme on dit, dans le creux de la vague. Puisque donc il y eut cela dans la vie de Max. Une vague, d'abord, qu'il avait portée sur sa crête comme un surfeur gracieux, avant de l'en faire redescendre dans l'ombre cylindrique et de plus en plus noire, de sorte que. Que des années plus tard remontaient encore à la surface de sa mémoire, comme en ombre chinoise sur le pare-brise taché d'embrun, aussi bien les lumineuses années où il avait vécu de ses talents de boxeur que celles plus sombres, qui étaient venues comme un ciel d'orage les recouvrir. Et sur elles, les années sombres, il espérait avoir posé pour longtemps un drap de laine épaisse qu'il éviterait de soulever à cause de toute cette nuit sans boxe qu'il avait traversée, de quand la lumière des rings s'était éteinte. Intermittente comme elle sait être, pire qu'un phare sur une côte. Cela, tous les boxeurs le savent, que le ring fait comme un phare dont sur le pont du bateau on compte les éclats pour estimer le danger. Et qu'alors il arriva qu'il ne le vit pas le danger et se laissa drosser sur les rochers, ainsi qu'il advient en boxe plus qu'en tout autre sport, que les clairs-obscurs d'une carrière y sont plus saisissants qu'une peinture du Caravage. Alors qu'il soit seulement remonté sur un ring et qu'il y boxe à nouveau comme à ses plus beaux jours, il n'en revenait encore pas quand il croisait sa propre silhouette sur les panneaux de la ville. Grandes affiches qui poussaient comme des arbres le long des quatre voies et annonçaient le gala du 5 avril prochain, où sur fond de lumière étoilée se détachaient les corps photographiés des deux boxeurs, les poings dressés à hauteur du visage et tout muscle bandé, lui, le crâne rasé. Et les sourcils tendus déjà vers la victoire, semblant défier la ville entière de sa colère ou de sa force contenue, Il écrit dessous en lettres de feu Le Corps, V.S. Costa, le grand défi. Et qui aurait regardé alternativement l'affiche, puis cet homme, au volant de la berline municipale, se serait dit que oui, c'était bien lui, Max, le Corps le même nez dévié, les mêmes paupières écrasées par les coups, la même peau luisante sous le crâne, le même qui, d'ici quelques semaines, s'en irait défier l'autre figure locale qui avait depuis longtemps volé la vedette. « Ça se rapproche, » a dit le maire. « Dans deux mois, à cette heure-ci, » a dit Max, « je serai sur la balance. »« C'est pas le moment de prendre du poids, » a fait remarquer le maire ni d'en perdre, a répondu Max. Ensemble, ils ont reparlé de ces dernières victoires, l'immense plaisir qu'il avait eu le maire de remettre plusieurs fois à Max la ceinture du vainqueur, l'immense plaisir, avait-il dit à chaque fois, de faire l'éloge d'un vrai natif formé ici même, devant la salle toute acquise, si fiers, eux tous, de ce lien qui les unissait à celui qui avait toujours vécu là dans un pourtant discret quartier de la périphérie, mais dont un peu de la gloire semblait rejaillir sur chaque fenêtre de chaque tour, où vivaient tous ceux-là qu'il avait croisés toute son enfance, sur les bancs des squares, dans les cages d'escalier, et puis dans la salle de boxe, bien sûr, dont tous avaient une fois au moins poussé la lourde porte de fer, tous encore enfilés des gants sur le ring, pour se croire un instant Mike Tyson. Mais... Là où des centaines d'entre eux ont espéré vainement qu'un type à l'ombre d'un pilier les observe et les désigne, comme un Dieu invisible semblait lire ses prophètes, un seul s'était trouvé soulevé et comme gruté hors de la vie ordinaire, et ce fut Max le Corps. Car il n'y avait pas besoin d'être grand clerc pour voir qu'il y avait là, dans le corps lourd et tendu de Max, une puissance hors du commun. De sorte qu'il n'y avait eu aucun hasard non plus à ce qu'un jour un homme en costume blanc, s'improvisant manager, entra là, dans la petite salle d'entraînement où Max étalait si vivement chacun de ses partenaires et décida de s'occuper de sa carrière, le propulsant si vite au niveau national dont il glanerait le titre, la coupe gravée qui continuait de trôner sur sa cheminée à lui. Max écrit dessus Championnat de France 2002, catégorie mi-lourd. Quinze ans plus tard, si vieux, déjà forcément, il s'étonnait de lire encore dans la presse des mots comme renaissance ou même résurrection. Résurrection, oui, c'est l'autre mot qu'on pouvait lire quelquefois dans les journaux, et il n'aimait pas plus l'entendre que renaissance, parce que les deux mots sciemment employés produisaient le même appel d'air vers le gouffre qui les avait précédés. Si on m'avait dit que je boxerais encore à quarante ans, a-t-il dit Omer. La boxe, a répondu l'homme à l'arrière et regardant toujours dehors, on dit que ça se passe beaucoup dans la tête. Et Max, les yeux fixés sur la route devant lui, a fait une moue invisible qui signifiait peut-être si je t'en mettais une tu verrais ce que ça fait dans la tête, mais invisible assez cette moue presque intérieure pour que dans le même temps son silence ait valeur d'acquiescement. Parce que bien sûr le maire avait raison. La boxe. C'est d'abord dans la tête. La boxe est un sport de nerfs et de force mentale. Oui, cela, ce n'est pas Max qui dirait le contraire. En tout cas, c'est courageux d'aller défier Costa, a repris le maire. C'est maintenant ou jamais, a répondu Max. Le temps ne joue pas pour moi. En quoi il avait raison Que la boxe, à son âge, du moins la sensation qu'il en avait, c'était comme patiner sur un lac gelé à la toute fin de l'hiver. Et malgré les victoires, il n'était pas dupe de la fine pellicule de glace sur laquelle il continuait d'évoluer, ne craignant pas d'y effectuer encore les figures les plus délicates, mais attendant résigné qu'un jour la glace se fendit d'un coup et qu'il se noie dans l'eau trop froide. « Vous allez gagner, Max, j'en suis sûr !» Et alors, profitant de ce qu'à cet instant le maire avait l'air d'être avec lui, Max a fini par évoquer ce qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Cela que le matin même, en se levant, il s'était promis d'aborder et qui n'avait rien à voir avec la boxe. Non, c'était à propos de sa fille. Il voulait lui parler de sa fille. Je voulais vous demander un petit service, monsieur le maire. C'est à propos de ma fille. Elle est revenue s'installer ici et... Oui, bien sûr, a dit le maire, dites toujours. C'est-à-dire qu'elle a fait une demande de logement auprès des services de la ville. Mais vous savez ce que c'est, ça prend du temps, alors... Je me suis dit que peut-être en passant par vous. Et le maire lui avait évité de s'enliser. Il avait écourté aussi vite sa demande, disant Bien sûr, Max, dites-lui de passer me voir à la mairie, je verrai ce que je peux faire. Et pendant que la voiture s'avançait le long des vieux gréments, comme dans un musée en plein air, Max avait respiré intérieurement, comme aussi bien il serait ressorti d'une salle d'examen en ayant le sentiment d'avoir réussi. En même temps qu'il répétait à l'homme à l'arrière que c'était vraiment gentil à lui de prendre le temps de la recevoir, qu'il n'était pas obligé de faire ça pour lui, pendant que lui, l'homme à l'arrière, était occupé à réajuster sa cravate ou épousseter les manches de son costume, lui répondant que ce n'était rien, qu'en un sens, ça faisait partie de ses attributions, qu'il avait été élu pour ça, pour rendre service. Et Max espérait que ça se passe bien elle serait à la hauteur. Il a dit ça plus tard Max qu'il avait pensé cette phrase. Oui, c'est vrai, j'espérais qu'elle soit à la hauteur. Merci beaucoup, il est déjà parti. Merci beaucoup, euh, Ronan Le Tourneur, pour cette, cette lecture. Euh, merci à Tanguy Vielle d'être parmi nous ce soir. Et merci à vous d'être là aussi pour assister à cette rencontre. Euh, ces, ces deux premiers chapitres de La fille qu'on appelle, nous y font vraiment entrer de, de plein pied dans ce roman, votre huitième roman, Tanguy Vielle, dont on va parler ce soir. La fille qu'on appelle, c'est donc Laura, euh, le personnage, euh, un des personnages, mais le personnage parmi tous dont, dont, dont vous vous tenez avec le, enfin de façon la plus proche, je dirais, qui fait qu'effectivement elle nous paraît centrale, même si ce n'est pas elle qui raconte le livre. Hein, C'est un livre euh, à la troisième personne où s'y mise parfois un jeu dont on parlera peut-être. Euh, on l'a entendu là au début du deuxième chapitre. Hein, un jeu qui n'est pas un des personnages, qui est peut-être vous, qui est peut-être quelqu'un d'autre, un narrateur, un narrateur extrêmement discret. On ne peut pas réduire votre roman à sa seule intrigue, Tangiviel, évidemment. Mais il y a quand même un sujet dans ce livre, un sujet qui, qui résonne dans l'air du temps. La fille qu'on appelle met en scène une situation qu'on peut qualifier d'emprise, réfléchie ou nous fait réfléchir de questions. Autour du, du, du consentement. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a à, à, à l'origine de ce livre et d'un livre de Vielle en général Est-ce qu'il y a un sujet Est-ce que vous réfléchissez en termes de sujet Mais Sans doute plus que plus que je ne le crois moi-même ou plus qu'ensuite j'ai l'habitude de, de présenter mon travail ou tel, même qu'il soit perçu, c'est-à-dire souvent à l de, si je peux me permettre de le dire comme ça, de sa forme ou de son style ou de sa composition, ou, ou voire de son imaginaire. Mais par imaginaire, on n'entend pas toujours sujet. Et on dirait que sujet, ça veut dire société, en fait. Alors que, en réalité, je pense que, certes, dans des mondes qui sont souvent plus théâtraux, euh, mais pour chaque livre, euh, dès lors que ça reste du roman et un roman assez vissé, euh, depuis euh, mon premier livre, je pourrais dire, il m'a toujours fallu avoir un un certain ancrage dans un espace très incarné, précis, avec des personnages, une intrigue, etc. Ce que vous évoquez, je pense que c'est parce que depuis maintenant deux livres, moi le premier, je reconnais volontiers qu'il y a ce petit virage, même peut-être ce grand virage, à vrai dire, je ne l'estime pas encore très bien quant à la courbe, parce que ça dépendra aussi sans doute des futurs livres, mais c'est qu'il y a quelque chose de social ou sociétal qui s'est mis en place, un réalisme en fait aussi. Qui fait que tout d'un coup le mot sujet euh, ben, prend tout une, un autre sens hein, en quelque sorte. Et j'avoue que c'est quelque chose sans doute après quoi je, je je courais sans le savoir depuis plus longtemps que ça. C'est-à-dire que c'est aussi il y a un retour du dire du refoulé euh, au sens où moi j'ai grandi avec euh, Balzac pour modèle et ensuite quand j'ai été euh, non pas adolescent, parce qu'adolescent, je n'étais pas bien un grand lecteur. Mais quand j'ai commencé à essayer de m'intéresser à la littérature et tout ça, je suis passé par des périodes où, ben, bien sûr, comme tout le monde, j'étais très innervé par ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire une, une période où, au fond, la question du sujet, il fallait plutôt l'écarter, il fallait parler de forme, il fallait parler de style, il fallait parler d'écriture, etc. Et je, en ayant traversé ça, ça m'a aussi arrangé de traverser ça, parce que moi-même, j'étais l'enfant de ces générations-là, donc euh, on pourrait dire à la fois du nouveau roman, mais aussi peut-être de Proust, et puis aussi de, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire comme autre... Comme autre auteur, mais enfin, c'est toute une constellation qui était loin de celle qui consiste à dire je raconte des histoires et encore a fortiori des histoires réalistes. Quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un retour du, du refoulé parce qu'au fond, euh, euh, peut-être est remonté simplement à un truc qui était dans l'enfance très simple et très normal de raconter des histoires qui y avait à voir avec la société qui m'entourait et qu'à un moment, je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de plus de, de détours, de filtres. Alors, ça a été longtemps le filtre du cinéma, ou de et c'est pour ça que j'emploie le mot livre plus théâtro, parce que c'est des livres qui étaient un peu éloignés de ce naturalisme que je. Donc voilà, il y a ce rapprochement très lent de livre en livre vers le réel, pour le dire euh, simplement. Et le, le sujet de, de, de ce livre que je schématisais en parlant d'emprise, de, de, de domination, de, de, de Concentre, enfin, de la question du consentement euh, dont, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, néanmoins, est-ce qu'il qu'à un moment donné, il y a une décision de, ben oui, de, de, de euh, s'emparer ouais, ouais, de ces ouais, sujets ouais. Oui, mais alors, c'est vrai que je ne peux, je peux pas dire... C'est vrai que vous allez dire que j'ai un peu évité votre question, mais... Il euh, n'y a pas de décision au sens politique du terme, euh, je me suis pas, ni même au sens idéologique. Je ne me suis pas dit que la littérature doit s'emparer des sujets sociétaux du type, euh, par exemple, la question de l'emprise ou du consentement aujourd'hui. Euh, elle le fait parce qu'elle est traversée par tout ce qui y advient. Voilà. Et à titre personnel, c'est vraiment, je ne peux pas le dire autrement, qu'une rencontre très intime euh, entre... Euh, Quelque chose qui me remuait, alors bien sûr, il hein, n'y a pas de hasard, j'ai lu la presse, j'ai lu les histoires, euh, les faits divers euh, des 10-12 dernières années. Euh, L'autre jour, quand j'étais à euh, une émission à France Inter, euh, euh, Laurent Adler a ressorti l'entretien de, de Tristan Bannon. Euh, alors, histoire que moi, j'avais complètement oubliée pour le coup. Enfin, pas oubliée, mais en tout cas qui n'était pas présente pour l'écriture de ce livre. Et pourtant, c'est assez édifiant, parce qu'à la fois, ce qui lui est arrivé, et, euh, et en plus, il se trouve que dans l'histoire de Tristan Bannon, c'est sa mère qui l'a un peu mise dans les griffes de Strauss-Kahn. Ce, enfin, ce qui pourrait être le, le rapprochement avec le, le personnage du père, qui, au fond, sans le vouloir, évidemment, mais met sa fille. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a effectivement ce, ce terreau de réalité qui a à voir avec la, la rumeur publique, le fait divers, etc. Et en même temps, je, je crois pas des sujets qui me touchent tous les jours, il y en a plein, des idées, même des germes d'idées de romans. Alors, pourquoi quelque chose prend Pourquoi, à un moment, j'arrive où je me sens, je concerné, mais c'est plus que ça. Il y a une sorte de ventriloquie qui se met en place. Que je, suis, je suis pris par l'envie de, de développer une histoire autour de ça. Il me semble que c'est... que là, il faut aller... Ma réponse serait forcément ou décevante ou psychologique. C'est-à-dire, que je serais obligé de vous dire très intimement à quel point euh, je suis une jeune femme de 20 ans euh, qui a peur d'un homme politique. Voyez c euh, et pourtant, encore une fois, c'est vrai, vous l'avez fait remarquer, c'est un livre à la troisième personne, donc je ne suis pas le narrateur, mais malgré tout, je vois bien que j'accompagne ce parcours, j'accompagne cette aliénation, domination, etc. Donc ça rencontre quelque chose en moi, et je ne peux pas le dire autrement que cette rencontre-là, voilà, qui fait que, que ce qu'on appelle l'ère du temps, le sujet, c'est... Il vous, il vous prend et il, vous, il dit voilà, il dit maintenant c'est à, à vous de faire ça, ou je ne sais pas très clairement. Mais donc c'est pour ça que le mot décision est complexe. À, parce que décision, ce serait, presque, ce serait trop héroïque en fait. Trop volontaire. Ben oui, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. ben, Parlons-en de cette, cette troisième personne. Est-ce que ce, ce, ce choix de la troisième personne, ça fait partie des... Pour le coup, des décisions, j'imagine, décisions d'ordre esthétique que vous que vous prenez, euh, voilà, que vous alors, prenez avant de ouais. avant de avant de vous lancer dans l'écriture. Il ou... y, a, y a quand même un temps un peu bricolé où j'ai quand même fait, j'ai retrouvé d'ailleurs, c'est drôle, dans un carnet pas plus tard qu'avant-hier, deux pages où qui était la première personne et c'était Laura qui parlait. Et je crois que c'était, je me souviens pas, je n'ai pas pu retrouver, c'était les premières pages ou quoi, mais. Ce qui veut dire que j'ai fait des essais à la première personne. En fait, le truc, c'est que je m'en souviens plus très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pris comme ça. Alors qu'en effet, c'est mon... enfin, ce que je fais depuis 20 ans. Donc, euh, je j'ai aucune gêne à continuer. Je me suis même longtemps dit que je ne ferais jamais un livre autrement qu'à la première personne. Parce que j'ai tellement l'impression que je n'étais pas forcément capable de faire autre chose. Donc, c'est drôle parce que là aussi, le mot décision serait trop fort. Mais euh, en bricolant, en tâtonnant, euh, il est apparu que la première personne ne convenait pas. Donc, est venue peu à peu une sorte de dit-elle <laughs> de troisième personne comme ça et qui euh, a permis de dévier le sujet. Et là où j'ai compris l'intérêt pour moi, c'est qu'en effet, d'abord, il y avait cette question de légitimité narrative, à savoir, je ne suis pas une jeune femme de 20 ans qui a subi cette question-là. Mais euh, il y avait surtout la possibilité de... de de scruter, de, de faire le tour de l'objet et d'être dans une position plus, plus au fond d'enquêteur, enfin enquêteur au sens littéraire, c'est-à-dire de pouvoir observer, rentrer à la loupe dans les situations en n'étant pas pris dans le corps de la victime, si on l'appelle comme ça. Donc c'est ça où la troisième personne, en s'imposant doucement. Euh, est devenue euh, évidemment la solution à tous les problèmes euh, narratifs en fait de ce livre ça c'est sûr oui la, la, la possibilité d'approcher parce qu'effectivement si l'aura est centrale vous approchez aussi la, la, la je peux dire la, la, la psyché la psyché des, des, des autres personnages et notamment effectivement de, de enfin, je les mettre face à face, mais il y a quelque chose de ça. Il y a un côté un peu, il y a quelque chose de bourdieusien là dedans, les dominants, les dominés, les les les, les 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 hommes de pouvoir et les les hommes et les femmes euh, aliénés. Enfin voilà. Et effectivement, vous, vous ne négligez pas d'approcher aussi. Euh, c'est ces gens de pouvoir oui, et puis d'essayer de comprendre enfin de comprendre comment tout ça se scénographie en fait alors ça peut être du point de vue j'aurais pu pour une partie le faire du point de vue de dire, du point de vue de l'enfant c'est-à-dire que puisque c'est finalement comme ça que moi je regarde ce monde d'hommes politiques ou tout ça c'est-à-dire euh, c'est comme ça aussi que Max le boxeur les regarde c'est-à-dire au fond il a quelque chose d'un peu Immature dans sa façon d'être lui-même un objet de marchandage dans le monde de la boxe. Donc, au fond, il n'est pas plus adulte que sa fille. Et c'est en ce sens-là aussi que pour moi, c'était des regards qui permettaient d'entrer de, dans la description, de tout ça. Mais que le fait de ne pas, pas le faire de l'intérieur ouvrait le champ, en effet. Et aussi euh, permettait d'être plus, euh, comment dirais-je, plus analytique. Gent... C'était en entendant deux, trois phrases, par exemple, que Ronan lisait. Je me disais, oui, il y a des phrases euh, sur le, le portrait, par exemple, de l'homme politique ou sur l'analyse de sa psychologie qui sont des choses impossibles à faire à la première personne, à moins d'avoir un narrateur euh, qui soit déjà lui-même un intellectuel euh, en train d'écrire. Mais si c'est juste un personnage qui raconte, il n'a pas ce, cette, cette possibilité de voir ou de, de comprendre, de synthétiser, de, de passer aussi de de l'abstraction à la sensation en fait ça, de ce point de vue là c'est un outillage beaucoup plus la palette est plus grande hein, avec la troisième personne je m'en suis vraiment rendu compte et le donc il y a quand même un jeu dans le livre oui, il a... c'est un non. C'est vous, c'est le narrateur omniscient, un peu Jamesian quasiment, du, du livre. Hein. Oui, mais normalement il ne devrait pas être là justement. Mais il ne vous a pas échappé quand même, je pense. Non, non, mais c'est très étrange parce que je ne peux pas lui donner une fonction très très fixe. Par endroit, je pourrais dire que c'est moi, enfin au sens. Euh, oui, euh, en tout cas, le moi, comme le moi narrateur en tout cas. Mais je crois que je l'ai pensé plutôt comme une sorte de de témoins anonymes euh, comme une sorte de, de cœur, en fait c'est comme une foule euh, silencieuse qui aurait regardé tout ça ou comme qui serait le réceptacle des récits en fait le réceptacle de l'ensemble de, de ce qui aurait pu se produire et qui en même temps serait pas c'est là où il faut que ce soit jeu mais c'est un jeu qui n'a pas de corps parce que c'est un jeu qui doit pouvoir se mettre au-dessus et qui doit pouvoir regarder les choses depuis plein d'endroits y compris dans le temps, parce qu'au fond, il le raconte sans doute euh, largement a posteriori, ça s'écrit vraiment au passé, donc euh, il peut aussi manipuler ou manigancer toutes les, les strates de temps, il sait ce qui va se passer. Donc c'est un jeu de la, de la fatalité du cœur, un peu à la manière du coryphée antique qui vient commenter de temps en temps euh, ce qui se passe sur la scène. Quoi. Auquel vous faites, euh, la tragédie auquel vous faites un peu référence euh, aussi dans certains moments, très discrètement dans certains moments, du, certains moments du livre, et ce, 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 cette... Euh, Enfin, quelque chose qu'on reconnaît bien, c'est quand même cette scène euh, que vous offre, alors, pour le coup, cette ville, euh, enfin, ville close, même si on sort de la ville close pour aller dans d'autres endroits de la ville, mais effectivement, il y a un lieu unique pour le coup, euh, l'intrigue quasiment. Non, il y, un petit, il, y un petit, il y a un petit moment où elle, elle se déplace. Euh, un petit hors-champ à Paris. Un oui. petit hors-champ à Paris, mais effectivement, euh, c'est ce, ce, comme une scène de théâtre, cette scène. Oui, oui c'est comme ça que j'ai pensé cette ville aussi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas la nommer, alors que je l'avais nommée au départ. C'est-à-dire parce qu'elle avait tous les attributs de cette théâtralité, de cette, ce caractère complètement scénographié, de, des mouvements et des rapports entre les corps et les, et les espaces. Quoi. Et, mais après, moi, je ne pense jamais de tragédie au sens où je n'essaye pas de, de me contraindre au moule des, avec les règles d'unité, etc. Mais je me rends bien compte qu'en effet, ça y ressemble, euh, si je relisais la poétique d'Aristote, peut-être que je, je me dirais qu'en fait c'est ce que je fais. Mais c'est ce que fait le, le film américain moyen, c'est-à-dire d'une heure trente, euh, c'est ce que fait une bonne partie du théâtre classique. Enfin, finalement, c'est une certaine manière de mener des intrigues en pensant euh, des causalités très serrées entre les événements. Et donc ça sert aussi, et les temps et les lieux. En fait, tout ça euh, participe de du, du euh, la même modélisation, si je puis dire. Il y a une certaine proximité de forme, notamment au début du livre, enfin dans la première partie du livre, avec votre précédent roman, article 353 du code pénal, qui donc pour le coup est à la première personne, mais consiste en une déposition devant un juge. Et là, le, on a entendu euh, pendant la lecture que le début du livre retrace une déposition euh, volontaire dans, de, de Laura devant la police. Est-ce que, est, est -ce que ces deux livres, d'une certaine manière, fonctionnent en diptyque Est-ce qu'ils ont un, un rapport comme ça euh, Même ça, si, évidemment, euh, ouais. ils peuvent se lire tout à fait indépendamment l'un ouais, de ouais. l'autre. Hein. Bah, évidemment, une fois que je l'avais fini, c'était facile pour moi de dire que c'était un peu la, la version féminine de de l'article 153, mais je crois que j'ai quand même pensé assez vite, et notamment à cause du dispositif, comme vous dites, dénonciation. Et c'est peut-être en assumant un peu quelque chose du genre, bon, bah, de toute façon, c'est un diptyque, que j'ai pu le faire. C'est-à-dire que je ne pas me dire je me répète, mais me dire c'est le versant, enfin c'est un autre problème. Voilà. Je me suis dit, j'ai le droit de le faire deux fois. Voilà. Après, c'est deux fois, hein, ce n'est pas trois. Mais... Oui, ça pas compliqué ouais. de le faire une troisième fois. Mais c'est dommage parce que c'est très efficace comme, euh, comme manière de lancer la narration. De, euh, je dois dire que ce dit-il aux policiers, il, moi, il m'a beaucoup aidé à, à avancer. Pourquoi c'est si, si efficace, en fait ah, Je ne sais pas, c'est comme, euh, comme si vous tendiez le. Ah, c'est vraiment le truc d'Hitchcock euh, quand il dit comment faire du suspense. Et, vous savez, dans les entretiens avec Truffaut, où il dit à un moment euh, il dit, bon, bah, vous mettez quelqu'un à feu rouge, euh, ce n'est pas très intéressant, dans une voiture, et puis vous dites. Euh, Merde, le train est dans cinq minutes. Et ça y est, quelque chose se passe. Ben, bah, disait le policier, c'est un peu ça. C'est un peu, ah, ah. il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ça suffit pas. Enfin, je ne si fais pas un atelier d'écriture, mais si je, je <laughs> profite en conseille, je ne conseille pas de juste mettre. Après, il faut quand même, euh... voilà. <laughs> c'est pas une manière de rester aussi quand même au début du livre, en tout cas un peu dans le dans le jeu, puisque effectivement le jeu, même si ce n'est pas au jeu, effectivement, c'est quand même. Là, pour le coup, c'est ouvrez les guillemets Laura qui parle. Oui, oui, oui. Ben, c'est vrai que le livre utilise quand même beaucoup le discours indirect, le discours indirect libre, et que ce narrateur à l'extérieur, il est quand même très, très proche. Par endroits, il épouse même les contours, j'allais dire, euh, comment on appelle ça, euh, sensationnel, sensitif de, de, de Laura. Sinon, il pourrait pas. Donc, euh, d'où que d'ailleurs, ça me dérange pas que ce soit soit discours indirect, soit. soit Soit, je ne sais pas comment on appelle ça, description normale, soit discours indirect, soit discours indirect libre, soit discours direct. Enfin, tout ça se mélange sans problème parce qu'au fond, c'est suis juste à côté quand même d'elle. Donc en effet, je ne suis pas loin du jeu. C'est vrai, même si je n'ai pas fait le livre à la première personne. Est-ce que tout ça, ce sont des, des, des questions qui vous. voilà qui Pendant le processus d'écriture, est-ce que vous pensez à tout ça ou est-ce que c'est plutôt a posteriori voilà, quel est votre degré je veux pas dire, de conscience quand vous écrivez Parce que j'imagine que vous ne l'écrivez pas dans l'état d'inconscience. Mais, euh, mais voilà, quel est, quel est oui, votre, votre degré de, de maîtrise théorique, je dirais, pendant l'écriture Il est quasi nul. Hein. C'est vraiment un travail de, de matière. C'est-à-dire qu'il y a des images, il faut que ça avance, il faut que ça fonctionne, il faut que j'y crois, il faut que je les vois. C'est vraiment du bricolage. Et il y a... Non. Enfin, alors je, peux, je peux me coucher le soir et réfléchir et me dire Ah tiens, je fais ça aujourd'hui. Bon, oui, je peux avoir des moments de recul, évidemment, mais, 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 mais principalement dans le travail. Là, je serais vraiment bien incapable de vous dire ce qui se produit, parce que c'est. Enfin, si se produit plein de choses qui sont très concrètes, mais qui sont justement concrètes, c'est-à-dire des histoires de de fabriquer euh, des... de raconter des choses quoi voilà le mieux possible le plus près le plus de l'étendre de se dire est-ce que ça d'y revenir enfin oui, on balbutie dès qu'on parle de ces choses là on n'a plus rien à dire vous parliez tout à l'heure de, de, de vous faisiez référence au réalisme c'est vrai que euh, évidemment la fille qu'on appelle est un roman réaliste mais un réalisme qui n'est pas prosaïque, notamment parce que euh, moi j'ai été fra vraiment frappée par la présence des métaphores extrêmement nombreuses dans le, dans le texte. Parfois même je, je n'étais pas consciente, je, après coup je me disais ah ben oui au fait. Et donc effectivement euh, il y a énormément de, de, de métaphores dans, dans ce, dans, tout, au, tout au long du roman. Enfin, toutes les, les sensations, les impressions, voilà, on vous en rendez compte par le biais souvent de métaphores. Ouais, je pense qu'il y en a plus que dans les autres, dans le précédent en tout cas. Pourtant, euh, j'avais l'habitude de dire quand j'avais commencé à comprendre ce que j'avais fait avec Article 353, que le fait d'avoir un personnage qui n'était pas censé être un intellectuel, mais plutôt un ouvrier, qui certes avait un langage au-dessus de son régime dit sociologique, mais ça, il n'empêche que j'étais quand même pris dans l'idée qu'il allait, allait faire des métaphores parce qu'il n'avait pas un discours savant. C'est-à-dire qu'au fond, son non- savoir avait des vertus pour moi, pour pouvoir développer un, un, un régime métaphorique. Et il y en avait déjà pas mal, je pense, dans l'article dans 153. Mais là, finalement, d'avoir ce narrateur, au fond, ce n'est pas parce que j'ai un narrateur extérieur que c'est un intellectuel, donc ça reste quelqu'un de sensible, qui aussi cherche euh, ce qui se joue notamment dans ces situations très complexes de, comme on appelle ça de zones grises de tous ces, ces micro moments et donc la métaphore c'est vraiment l'outil d'approche euh, j'allais dire euh, pour employer un gros mot un peu herméneutique quoi c'est une manière d'interpréter de, de comprendre la réalité de la déchiffrer à des endroits où finalement on n'a pas la clé euh, par le lexique habituel, où on n'a pas de solution, même les mots comme emprise et tout ça. Moi bon, je l'ai employé une fois dans le livre, mais je le trouve très faible et sans intérêt en réalité. Euh, alors que quand on rentre dans la matière par juste la sensation, et que du coup pour la décrire, pour en décrire les mécanismes, on, on, on multiplie les approches, et notamment par la métaphore, en fait la métaphore pour moi c'est l'outil de connaissance absolue, quoi, euh, connaissance sensible. C'est ce que j'aime le plus en littérature. Euh, ce que Je pense que ce, qu y a de... ce serait là où peut-être quelqu'un comme Proust pourrait être pour moi un modèle d'écriture, parce que chez Proust, la métaphore est folle. Elle, elle, elle se... En plus, il y a la métaphore, de métaphore, de métaphore. Des fois, il y a quatre métaphores qui se mélangent. Pour raconter le pli d'une serviette, ça devient la queue d'un pan, et puis en même temps. Enfin, c est, c est... En fait, c'est fou au sens propre. Mais cette folie, bizarrement, elle entre dans des plis de conscience qui fait qu'elle qu touche un endroit de, de réalité, au moins de réalité intérieure. Et c'est tout ça, alors il y a ça, et puis y a, Donc ça, ça justifie sans doute une partie de pourquoi j'en utilise tant ou j'en ai tant besoin, mais aussi peut-être parce que sur un... puisqu'on parlait d'un livre à sujet, il euh, y a aussi une trivialité dans le fait d'aller se confronter à, aux faits divers euh, dans cet ordre-là de choses, par exemple, voilà, un truc qui pourrait quand même faire rien de plus qu'un qu mauvais téléfilm, et qui en fait d'ailleurs, des mauvais téléfilms. Euh, donc, tout d'un coup, moi, peut-être que pour me... pour sortir, pour avoir l'impression de faire de la littérature, si j'ose dire, euh, j'ai besoin de rehausser le niveau de langue ou le, de complexité... Enfin, de, tout ça est mélangé, hein, mais je veux dire, il faut magnifier, transcender la, réali la réalité, le réalisme, par la langue, parce que j'ai toujours peur de glisser à un endroit où qui est celui où j'ai un peu honte de mon sujet, j'ai honte de faire, de faire un livre qui raconte juste ce genre d'histoire en fait. Si quelqu'un me dit et ça peut arriver, me dit ah oh ouais mais le scénario ouais bon bah, c'est une histoire bien prévisible ou c'est où on dirait un téléfilm etc. Je suis, évidemment je suis le premier à le savoir. Euh, mais c'est bien à la fois ce qui m'intéresse et ce qui me fait peur. Donc euh, écrire c'est jouer avec et contre ça à côté, je sais pas. Et la métaphore euh, bah oui c'est vraiment Alors, pas pour tout le monde, hein, mais je crois que je peux aimer des livres où il n'y a pas de métaphore, mais, mais quand même, c'est. Moi, c'est un des plaisirs de, de, de la lecture du, de la fille qu'on appelle. Je trouve effectivement ces métaphores parfois très concises, juste comme ça, deux mots, un rapprochement, et parfois, effectivement, plus, dans une démarche plus proustienne, des métaphores que, que, que vous filez, enfin, qui vous amènent à faire des phrases d'ailleurs parfois assez longues. On en parlait avec. Avec Renan tout à l'heure, avant la soirée. C est, c est, par rapport à la lecture à haute voix, ce n'est pas extrêmement facile. C'est vrai qu'il y, y, euh, y a des phrases très très, 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 très longues. Ouais. Oui, je ne sais pas si la longueur des phrases est liée uniquement à la question de la métaphore, mais sans doute en partie, euh, parce que forcément, ça augmente, hein, c'est sûr. Mais je pense aussi, il y a un double jeu. Il y a à la fois l'envie que la phrase soit comme une sorte de, de petite nasse qui, qui prenne un bloc de sensation. Au-delà justement de, ce, de, ce, de la façon dont on délimiterait dans, dans une factualité pure, c'est-à-dire réussir à produire l'impression, et l'impression, bah, c'est toujours un peu plus épais, un peu plus mou, un peu plus souple, un peu plus que, que simplement la, la réalité des actions. Donc ça, ça explique aussi, je pense, le fait que j'aime bien, que j'ai besoin de la phrase longue pour ça. Et en effet, s'ajoute à ça sans doute l'usage euh, peut-être abusif, je ne sais pas, mais du comme, du comme si, du peut-être de toute une modalisation du réel par laquelle, en fait, les choses s'approchent, parler d'un enquêteur, mais le narrateur, pour ça, il, il essaye de comprendre ce qu'il a devant les yeux, ou, ce ou ce, c de déchiffrer ce monde avec, avec et pour ces personnages. et ça, pour moi, il y a que la phrase longue aussi qui arrive vraiment à, à rendre compte de cette euh, difficulté, inquiétude, tentative, enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais mais là aussi, il faut on peut changer de braquet. Il y a des moments où, d'ailleurs, où la phrase peut être très courte et ça marche aussi. Mais, mais enfin bon, voilà. C'est peut-être y a deux types de phrases longues. Je pense qu'il y a la phrase longue de la première partie qui est plus une phrase d'analyse et la phrase longue de la deuxième partie qui est une phrase plus syncopée, mais plus de parce que la deuxième partie va plus vite, c'est plus active, beaucoup plus beaucoup plus tournée vers le mouvement que la première. Donc, il y a plusieurs raisons de faire des phrases longues. La deuxième partie, elle est oui, parce que le livre est donc organisé en, en deux parties. Et effectivement, dans la deuxième partie, euh, l'action, le, le, enfin, euh, s'accélère d'une certaine manière. On ouais. quitte euh, aussi la, la déposition et on est vraiment dans l'action, mmh. pour le coup. Oui, mais l'image que j'avais un peu pas, une fois que je commençais à terminer le livre, c'était vraiment que j'avais d'abord une espèce de lac et que le deuxième, c'était vraiment la chute, quoi. Euh, Alors normalement, c'est l'inverse, mais en fait, non. Il bon, y a d'abord la cascade et puis après, il y a le, le lac en bas. Mais là, ouais, c'est comme c'est comme ça que je me représente le livre encore aujourd'hui. Ce, ce, ce mouvement-là. Ouais. Ben oui, oui. Euh, quelque, alors pourtant, c'est pas faute qu'il se passe des choses dans la première partie, mais comme c'est des choses infinitésimales euh, ça, et que je prends le temps, que c elles sont un peu dilatées, diffractées, euh, bon, ça donne le sentiment de quelque chose qui se met en place comme une sorte de comme une toile d'araignée justement, donc qui est aussi statique, quelque sorte. Qui aussi des forces en présence, tout simplement. Et puis euh, la deuxième partie, c'est quand même une rupture, c'est quand même une, une grande rayure dans le dans le, 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 le j'allais dire dans le corps social, quoi. Vous dépeignez, je trouve euh, notamment extrêmement bien par euh, par le biais des métaphores, hein, le enfin le, le, notamment euh, le, le, les enfin rap, les, les rapports euh, de, de, de pouvoir dans une petite comme ça, dans, un, dans une communauté. Euh, communauté géographique, humaine, qu'est la, qu la petite ville, et notamment la, la, la façon, je trouve, dont les, dont les, dont les détenteurs du pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques, souvent mêlés, euh, se, 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 tiennent les uns, enfin, se soutiennent les uns les autres. C'est une, une observation, euh, enfin, qui, voilà, vous par quel biais, par où vous observez, où, où est-ce que vous observez la société en fait, où est-ce que, vous, la, que vous, vous lisez les journaux, vous, vous lisez les livres, vous, des livres de société, des livres voilà politiques Non, ça, je n'ai même pas besoin. Mmh. Mais qu'est-ce que... En fait, oui, je pense que c'est ça, je lis les journaux, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression, là aussi, j'ai obligé de revenir à, à un truc de l'enfance, c'est-à-dire euh, d'avoir grandi dans une petite ville. Et c'est vrai d'avoir grandi dans une... Euh, classe petite bourgeoise on va dire euh, c'est-à-dire de pouvoir quand même avoir accès euh, par des biais divers hein, mais par des récits quelquefois par des rencontres par des amis de mes parents je ne sais quoi euh, à ce, ce, ce tissage là ce tissage qui dont les lieux sont quand même assez facilement identifiables dans une ville. Il y a certains restaurants, il y a des clubs, il y a certains lieux sportifs. Il y a... Donc en fait, c'est assez facile de, de comprendre comment tout est mêlé. Après, c'est aussi des choses qu'on sait ou qu qu'on voit depuis longtemps par le, par le cinéma, par, par la littérature aussi. Donc c'est quand même par Balzac aussi tout simplement, et ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être que le, la force de la province pour ça, c'est là aussi de réussir à unifier tout ça. On parlait de la tragédie ou du caractère théâtral de la situation, en l'occurrence de cette petite ville qui peut faire penser un peu à Saint-Malo. Mais c'est vrai que pour ça, la province, euh, c'est plus fort ou plus... Ça, ça crée tout de suite quelque chose de plus fort que, la, que Paris, où on voit bien qu'à Paris, il y a plusieurs... C'est trop compliqué. Il y a quoi. plein de strates. Mmh. Strat. Si on commence à faire un roman qui se passe dans le pur politique, avec des types dans l'économie, des... on va avoir, on va avoir un Bernard Arnault qui va aller voir le Premier ministre. Enfin, c'est difficile de faire de la littérature avec ça. Quoi. En province, bah, c'est voilà, un directeur de casino et un petit maire. Euh... Ça marche. Pour moi, c'est mieux. C'est <laughs> la raison pour laquelle on, on, on cite souvent Chabrol. Euh, beaucoup, doute, ouais. plusieurs ouais, critiques ouais. ont cité Chabrol, ouais, sais, notamment pour me ce livre. Ça va très bien. Mais je sais que, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense même que, que c'est un peu sous-estimé, c'est un peu idiot, mais c'est vrai que par rapport à, c'est un peu comme il a fait beaucoup de choses justement très triviales et qu'il a fait aussi des mauvais films et que c'est pas quelqu'un qui s'est économisé, c'est pas quelqu'un qui s'est auto statifié euh, il n'a pas fabriqué sa légende donc euh, il en paye un peu le, les cassée, c'est-à-dire qu'il passe un peu pour le bon faiseur euh, de, du film du dimanche soir mais il euh, y a quand même euh, au moins la moitié des films de Chambrol qu'il faudrait regarder revoir avec l'œil euh, bienveillant du cinéphile et, du, et de l'intellectuel si je puis dire parce que c'est vraiment pas rien mmh. j'ai pensé aussi à un auteur pas, pas du tout dans la forme mais sur le, le, les sujets, les lieux j'ai pensé à Yves Ravet ça m'a évoqué. Oui, alors pas du tout comprenez. le même type de phrase. Ah non, pas du tout dans la forme. Non, non, alors là. Mais, mais, mais effet, sur l'atmosphère, le, le, okay. néanmoins, ouais, et, ouais, le, ouais, ouais. et le milieu, le monde mm -hmm. qui est décrit, et ses rapports de pouvoir, et, et quand même de, aussi, il de, de, y a quand même quelque chose qui a à voir avec la, le, la, le juste et l'injuste, qui est même quelque chose qui, qui revient quand même assez souvent dans, dans, dans vos livres, et notamment les deux derniers, mais pas seulement. Ah oui, après, c'est sûr vaut... que je, je. Oui, oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas ce que que fait un livre mais, mais en tout cas il a quand même au moment où il s'écrit il a il est quand même ancré euh, par euh, par dans euh, la une forme d'indignation, de colère euh, et d'envie de euh, d'en découdre. Euh, moi je crois bien que la figure du boxeur est venue pour ça aussi. C'est pas alors il euh, y a le boxeur des gilets jaunes comme qu'on connaît tous maintenant mais mais il quelque chose comme ça dans le, ce truc de dire mais euh, écrire c'est quand même euh, c'est quand même un peu de quand même un combat de boxe quoi mais c'est pas non plus un truc contre la enfin, contre la société <laughs> contre euh, c'est compliqué à dire parce que j'aime tellement pas les discours aujourd'hui qui, qui héroïsent la littérature qui en font passer pour pour le grand réparateur de la cause sociale et tout ça bon moi je sais pas ce que ça fait mais je sais que ça, ça ça, à côté du monde, il y a un truc qui s'appelle la littérature et qui fait les mêmes chemins que la justice politique. Oui, ça c'est sûr. Mm. Parlons un peu de la boxe. Effectivement, il y, y a des pages très très fortes, très incarnées sur euh, sur euh, sur la boxe. C'était, euh, il pouvait pas être autre chose que, que boxeur Max, le père de Laura. Il pouvait pas. pouvait avoir... pas parce que j'ai commencé un truc sur la boxe avant même d'avoir l'idée de de l'histoire de Laura. Donc, euh, en fait, le livre n'est vraiment s'est constitué quand ces deux histoires se sont rapprochées. Enfin, je crois même que c'est très précis. c'est, il y avait ce truc de boxeur qui n'a pas pris pour plein de raisons. Bon, j'avais quelques scènes, mais c'était pas ça. Et puis il y avait ensuite cette histoire de de Laura qui s'est mise en place et qui ne tenait pas non plus toute seule. Et je crois que le livre a vraiment au moment où je me suis dit, mais il est chauffeur du maire et c'est lui qui met sa fille dans les pattes de, de ce type, c'est jouer tout, le, tout le, le destin des parallèles des deux personnages. Et donc, euh, voilà, mais donc il n'aurait pas pu être autre chose que boxeur puisqu'il était boxeur avant d'être le père de Laura. Est-ce qu'il est qu y a un... Ben voilà, on, voilà, on parlait d'un process, enfin, processus, le début d'un livre, comment les choses s'agencent. Est-ce que maintenant que vous écrivez depuis... Plus de 20 ans, que c'est votre huitième roman. Est-ce que vous observez des, comme ça, des, des, des phénomènes un peu récurrents dans la, dans la, dans la genèse des livres, ou est-ce que vraiment chaque livre a une histoire complètement euh, différente Non, il y a beaucoup de points communs, ouais. euh, Notamment dans la, la, chronologie des temps, des temps, comment des temps vides et des temps pleins, quoi. Alors déjà il y a ça, c'est-à-dire euh, supporter des mouvements de, de creux après l'écriture, voire surtout après la réception d'un livre, c'est-à-dire que là, c'est plutôt l'année 2022 qui me fait un peu peur. Euh, puis ces moments plus compulsifs où les choses se reprennent, se, se densifient, donc ça je peux quand même en étudier les, les mécanismes, enfin, il faut observer que c'est un peu toujours la même chose. Quant à l'écriture même des livres, Là aussi, il y a un truc qui revient très souvent c'est que souvent je lance quelque chose, j'y passe un mois, deux mois, ça s'écroule. Je laisse tomber, je fais autre chose six mois plus tard, entre les deux, encore moins, encore <laughs> rien. Et au bout de six mois, je refais une autre chose. Et bizarrement, presque à chaque fois, le premier truc, je viens le reprendre, et c'est là que le livre a lieu. S'il si, fallait la rencontre. Voilà, les choses se, se, se mêlent. Ouais, là, je vous l'ai dit un, pas plus qu'à demi-mot, en vous de l'histoire du boxeur et l'histoire de, de la jeune fille, mais presque à chaque fois, il y a ces trucs très étranges euh, qui ne sont pas du tout euh, une ligne droite, euh, une idée, un scénario, un livre. Même si euh, j'aspire à ce que ce soit ça, mais c'est toujours un peu coupé dans l'élan. Euh. Bon, mais ça finit pas si mal, en fait, à chaque fois. Donc, vous avez acquis <laughs> une, une certaine <laughs> confiance hein, dans le fait que voilà ou bien vous, quand, voilà, quand vous êtes dans, que, dans un moment blanc que les là mes amis ou... me rionnaient quand je leur dis que je ne ferai plus jamais un roman de ma vie ah vous dites ça quand même bah oui mais j'y crois quand je le dis en plus ça fait dix ans que je dis ça donc euh, maintenant je peux plus non plus me croire moi-même donc euh, donc euh, oui ouais, oui finalement oui une certaine confiance je sais que, par contre faut traverser des affres des périodes où ça vient pas où, où réellement on pense que c'est fini ou que ça n'a plus de sens où je ne sais pas mais mais là, je, je suis confiant là parce que je, j'essaye je, 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 enfin, de prendre, de me prendre à revers. Donc, je me dis que je vais faire un truc. Je vais commencer le prochain roman pendant la, la promotion de celui-là, voilà, pour pas me. Donc, j'essaye je de faire ça. Mais voilà, de... quand vous dites que ça fait dix ans que vous que vous dites que vous n'allez que vous n'aurez pas de prochain roman, mais ça fait 20 ans que vous écrivez, ça veut dire que vous avez ah bah, plutôt cru eu moins confiance. Temps, alors que c'était encore plus dur, mais j'étais plus tenace. Enfin, plus. Vous étiez plus confiant. Oui, 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 en fait, oui. Ou plus, euh, euh, plus dans l'urgence d'écrire des romans. Euh, C'est-à-dire, il y avait quelque chose, tant que je ne l'avais pas fait, il fallait le faire. Et même si je n'y arrivais pas, les crises étaient là aussi. Mais c'était quand même ça, le, le mode dominant. Et bizarrement, c'est quand j'ai commencé à y arriver que je me suis dit, oh, pff, vous pouvez... Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire le contraire. Je suis en train de me dire, mais bon, tu y arrives, tu aimes bien ça, tu sais un peu le faire. Bah ben, vas-y quoi, voilà. Donc j'essaye de m'auto convaincre qu'en fait il y a que le roman. Surtout, ce qui m'a fait du bien, c'est de faire des essais là, il y a deux trois ans. Iceberg. De, Iceberg, ouais, Dont j'ai cru un moment que c'était ma nouvelle euh, voix, mais là, ben, le problème, c'est que ben en fait, là, on est aussi souvent confronté à ses à limites. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu que ce soit ma nouvelle voix, mais j'ai vu le moment où en fait je répétais tout le temps la même chose et où J'espère un jour, au fil des années, faire par exemple un deuxième tome d'Iceberg, parce que j'ai de temps en temps une idée, une chose que j'ai envie de creuser, une lecture que j'ai envie de raconter. Iceberg, oui, on peut le dire, c'est un livre à la fois sur la lecture, voleture, ouais, voilà, et sur ouais. l'écriture. Disons que l'idée c'était d'être dans la promenade de l'essai, quoi, un petit peu. Et je m'étais dit que ça allait s'ouvrir au fil du temps sur plein d'autres sujets, que j'allais devenir Montaigne. Et c'est bizarre, mais ça s'est un peu enrayé. Donc je ne serai ni Montaigne ni Balzac, mais mais je vais trouver une voile entre les deux, ce qui fait que je vais quand même continuer un peu. Ouais. Écoutez, c'est une belle conclusion, <laughs> je crois. Euh, vous allez signer après euh, cette rencontre euh, à la librairie Ici Oui. Ah bah, je fais ce qu'on me demande, moi. Ben ouais, alors, on, sûr, va dire, ouais, on va dire ouais, ça, alors. Ouais, hein. <laughs> euh, merci beaucoup, Tanguy Vial. Ben merci merci à infiniment. Vous, merci merci à vous aussi.